Pas comprendre c'est où que c'est loi pour arrêter mon sans mandat. Contre la sûreté de l'État, ça t'est toujours fait comme ça. Qui laisse qui mette dans ça? Qui laisse qui mette dans ça? Qui laisse qui mette dans ça? Ça t'est toujours fait comme ça. Qui laisse qui mette dans ça? Qui laisse qui mette dans ça? Qui laisse qui mette dans ça? Les ou parti là-bas, dans tout n'est de là-là. Navasmos et Nicolas, qui laisse qui mette au Nassa? 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 Vendredi 18 juin 2021. Moi salue nous tous à la Ronde Ballet. Nous connaissons que chaque vendredi, nous cassons rendez-vous sur Radio Passion Culturelle, porte-voix d'Haïti. Moi salue nous à la Ronde Ballet. Moi salue PDG, qui c'est Madame Lydia Antoine. Et puis nous saluons Wilson, qui est toujours là avec nous. Jodi an, nou genyen yon invité. Men invité an telman gen bagay pou di nou, sa fe yon mouman ke li pat la, men se travay tap travay. Li te an peu partout pou la loue ki sa kapab fèt pou Haiti kom son moun ki toujou ap panse pou Haiti. Et tout le monde qui connaît les ou cité non monde ça et ben il dit oui son monde vraiment conséquent. Alors monde ça c'est docteur Jean-Palais Mathurin qui parlait là avec nous dans l'émission Porte Voix d'Haïti. Alors Porte Voix d'Haïti radio passion culturelle et ben monsieur Mathurin est toujours là Kairi et nous dit tout l'autre monde yo depuis que c'est monde qui conséquent qui remet Haïti et ben nous dit yo bienvenue sur Radio Passion Culturelle. Alors monsieur Mathurin pral parler avec nous. Nous connaît pas de voix d'Haïti c'est que mon li doit parler. Et là nous pensons que jodi an nous pas vraiment gagné correspondant ni chroniqueur parce que monsieur Mathurin les gagne en pile bagaille pour dire nous et n'a pas dit et Wilson Lydia pour nous mettre une petite musique pour nous et puis après pour nous capable continuer. Papa ici ici on la même avec sagesse de nos Jésus. Ne nous laissez pas tolérer ni voler ni assassiner notre société. Venez pour la justice, faites travailler. Pas supporter mon paillasse. Mauvais paillasse. Mauvais paillasse.
Bonsoir tout le monde. Bonsoir le monde. Moi salue nous toutes à la ronde balai. Alors aujourd'hui nous avons invité, c'est que c'est la Calilier. Alors c'est docteur Jean-Palais Mathurin qui est avec nous, qui va dire nous qui ça l'a fait pendant un moment ça que tout le monde toujours demandé Marie. Côté palais, moi, je dis Lila. C'est gentil de la part de tout le monde qui a inquiété, a informé. Demandez pour moi, côté mien. Je salue nous toutes. Je salue d'abord Madame Marie Saint-Hilaire et avec l'association Bourgeon pour Haïti. Je salue l'équipe et Radio Passion Culturelle qui a aidé dans faire promotion et haïtien en Europe et dans le reste du monde, mais également promotion et Haïti à travers chaque Haïtien Sahara. Ma salue animateur, notamment Wilson et La Boussière, et ma salue tout notre collègue. Et bien content de vous trouver nous dans l'émission à soir. Et s'il est vrai que moi quitté l'Europe, et en fait, quitter l'Union européenne. Et non, ça fait pratiquement une dizaine de semaines. Là. Mais en fait, j'ai quitté l'Europe, j'étais allé en Turquie. J'ai passé une dizaine de jours en Turquie. Et puis ensuite, pour travailler notamment, pas avec la communauté haïtienne, parce que la communauté haïtienne qui est en Turquie, c'est pour dire quelques Haïtiens en Turquie, mais c'est possibilité pour que et qui forme de partenariats et organisationnels, qui forme de partenariats institutionnels au niveau université et recherche, et qui forme de partenariats d'affaires entre eux et les leaders des chambres de commerce turques et les investisseurs turcs. Et par rapport à Haïti, parce que l'Europe pense à un pays où on cherche des possibilités pour qu'il la donne, et il y a des fois, et c'est des étrangers pour capable de garder l'opportunité d'investissement que vous gagnez, et qui ont un investissement ça, qui s'acca utile la caillou. Et dans ce sens ça, et même j'en ai fait pour aider Haïti après le tremblement de terre là, avec la Corée du Sud. Eh bien, ce n'est pas l'arrivée dans le problème, non, l'arrivée dans le pouvoir pour
pral konnen ki pot koda dwe frape. Donc, il y a des travaux préparatoires qui étaient besoin faits. Donc, basson dizaine de jours, côté que nous rencontrons avec plusieurs associations et plusieurs chambres de commerce, nous entrer et parler avec plusieurs universitaires et parler d'Haïti et des Haïtiens et de notre courage, de notre histoire, de nos bravoures, mais également de nos problèmes. Et des opportunités qui gagnent en Haïti, de sorte que et le moment arrivera où il y aura des investissements à faire dans ce pays et que comment les Turcs peuvent aussi, comme tout autre investisseur étranger, et peser de leur poids. Donc, c'était ce travail qui m'a retenu en Turquie, et ceci dans plusieurs villes de Ankara, la capitale politique, et à Izmir, c'est la troisième plus grande région. Bon, dans la région Izmir, là seulement, il y a presque même quantité de monde qui est en Haïti. Et donc, nous aller à Antalya, et bon, d'ailleurs, c'est là que l'équipe gouvernement et officiel haïtien va aller aujourd'hui, pour aller dans la réunion d'affaires. Yo. Et maintenant, nous aller à Gaziantep, et dans plusieurs Konya qui dans plusieurs villes et sont très très grands pays tout donc ça prend un peu de temps pour déplacer de région en région et pour aller regarder rencontrer mon globalement en pile dans mon sahayo manifester de grands intérêts pour dans l'éventualité que notre arrivée gagne le pouvoir en Haïti y a de grands intérêts à ce que on capable supporter et à travers des coopérations techniques, qu'a transféré des compétences ben nous en matière de formation de nos techniciens, pour renforcer les capacités des centres et de formation technique et technologique, et également des universités technologiques et des universités de recherche. Il y a une possibilité pour qu'il y ait des coopérations en matière de sécurité du territoire, parce que ça n'a pas vivre dans le pays à l'âge aujourd'hui, a besoin de façon à ce que en le territoire pays a nous entraîner les gens à mettre de l'ordre et à assurer que moun lò n'avait ni l'avion ni l'avion ni bien ou en sécurité. Et également nous parler pas mal avec des entrepreneurs et des chefs d'entreprise, des patrons d'entreprise. Donc parmi les 10 plus grands groupes industriels qui viennent dans le pays, Gayon qui travaille actuellement avec un opérateur en Haïti. Et qui doit expliquer nous et groupe ça il fait et énergie électrique durable à partir de montage des dames et des captages et d'eau permettre de générer électricité de très long terme et groupe ça fait c'est le premier groupe textile et en Turquie c'est également un gros producteur de ciment qui l'autre bois sont un groupe qui gagne université Pali, université privée, université que entreprise a créé pour aider eux répondre à des problèmes techniques, des problèmes de recherche et de développement, etc. Et d'autres monde sont d'accord pour que et lorsque c'est des mondes sérieux, honnêtes, ouverts, éduqués, compétents et aimant pays qui respectent pays des autres aussi, d'arriver dans situation de pouvoir, et ben même tout à fait disposé pour ouvrir les fenêtres de coopération. Donc, c'est le travail que j'ai fait en Turquie. Donc, ça a pris une dizaine de jours. Et après, j'ai quitté la Turquie. Donc, nous faisons vol et Istanbul vers Madrid. Et même jour, nous faisons vol dans l'après-midi pour nous faire Madrid jusqu'à la République dominicaine. Et puis, le jour d'après de la République dominicaine, nous traversé en Haïti. Alors, en Haïti, nous vivons un baguette de temps pour aller ensemble avec le grand monde parce que grand groupe en Haïti qui est les Potomitan. En plus de structure politique force peuple, le groupe ça qui est les Potomitan sont groupe de la société civile. Et c'est des garçons et des femmes et dans la société civile haïtienne, des entrepreneurs, des intellectuels. Et des mouns qui ont réfléchi sur des défis et besoins en jeu pays. Donc, c'est bon ça, pendant que j'étais à l'extérieur, ils m'étaient campé au groupe ça. Et groupe ça, il y a 8 membres, 8 personnalités
qui chita ensemble, qui dit tête yo, faut mettre un bagay et camper et avec et pour docteur Jean-Palais Mathurin, de façon à ce que et gagne des bagay pour nous pas rater yo, parce que même yo nan et de courant, que ce soit dans les banques, que ce soit et dans les opérations hôtelières, que ce soit dans les opérations politiques et sur le terrain à travers des réseaux de monde que ensemble avec eux. Mais également, et c'est des monde qui aiment le PIA et donc qui sont dans le PIA, ils ont une pratique PIA, etc. Et donc, il n'y a pas tout dans ni Pétionville, ni dans l'Ouest, il y a un qui dans Grand-Dance, il y a un qui dans le Nord, il y a un qui dans le Sud, et puis et reste là, et dans la zone d'Akou et Sud-Est, et puis dans l'Ouest. Donc, il y a 8 Mounsaïo, et Rélémoin, et dit que faut que moi rentre, parce que yo préparé un bagay, et yo inspiré. Et pour que yo aide moi à avancer dans le travail politique là, mais yo rend compte que yo nan bagay qui pose problème à l'avancement de travail politique yo, c'est l'argent. Et l'argent dans le sens que ou capable de toutes les bonnes idées, ou envie de servir pays ou disponible au pays ou parents ou al besoin al voler pour profiter pour faire richesse ou bien pour faire le fait qu'on pas gagner l'argent, on doit pas gagner droit à des centaines de radios, on doit même conseiller de déplacement, on doit pas faire. Et puis il y a une série de rassemblements qui est difficile pour faire parce que très souvent en pile la monnaie on de l'argent. Donc yo même on croit que il y a possibilité pour que nous faire le travail politique et pas forcément alchita sur l'argent ou bien al dépend tête de l'argent de monde qui pour par la suite bloquer pays à l'emmener nous. Donc je te dis que faut que moi rentre pour me venir travailler ensemble avec yo sur une stratégie qui doit mener nous à la prise du pouvoir. C'est yo même yo pas dans parti politique, yo dans société civile et yo dans tout secteur. Maintenant 8 ça effectivement me venir jouer ensemble avec yo, moi même venir faire 9. Donc, le poteau mitan campé et sous 9 pieds. Et c'est là que je rentre dans le pays. Je rentre un vendredi et depuis là, chaque samedi ou chaque dimanche, pendant 5 semaines d'affilée, nous faisons une réunion. Côté que nous t'attendons, que nous te disons, pas un problème, donc nous sommes capables de faire travail là, mais il faut nous arriver à faire une consultation à travers communauté société civile haïtienne. Et c'est fait travail à travers la communauté société civile haïtienne yo, que nous avons besoin d'organiser 4 réunions et ceci pendant 4 semaines. Donc, ça a déjà bâillé un mois. Et pour nous faire réunion ça yo, nous dédions que si dans chaque réunion ça yo, yo 9, nous 9 au total, si nous avons réuni et 25 moun, ça a ban nous 100 moun après 4 semaines. Et si nous ajoutons nous 9 là, sous 100 moun ça a ban nous 109 moun. Mais c'est 109 pour le pays d'Haïti. Du 109. Si vous d'accord pour nous faire ça, m'a rentré et n'a fait travail là ensemble, m'a vint joindre nous, n'a mis méthodologie et n'a défini qui ça nous allons faire pour que 109 moun ça yo et projeter sur Haïti vraiment du 109. De la nouveauté et de la de la crédibilité, etc. Effectivement, et pendant 4 semaines, première semaine, là, nous faisons première réunion avec 34 personnes. Donc, il y a 25 personnes que Potomi t'a invité, toutes 25 personnes sont présentes. Deuxième semaine, là, nous te dit que les qui étaient présents la première fois, ils n'ont pas besoin de retourner. Parce que c'est la même réunion, on a répété à 4 groupes différent, mais c'est la même réunion parce qu'il faut nous préparer pour nous capables de faire un atelier ensemble. Deuxième réunion, nous avons non seulement 25 nouveaux mounes, plus 9 mounes qui étaient là, ou 34, mais nous avons 10 autres mounes encore présentés. Okay. Donc, nous avons 44 mounes. Nous avons dit même bagarre la troisième réunion, bon là, même les débordés, nous avons 60 mounes. Ils débarquent. Pour participer dans la réunion. Sa. Et dernière réunion, nous goûmons ensemble avec vous pour que nous ne gagnions pas 80 personnes parce que nous avons un problème d'espace, un problème de rapprochement et distanciation sociale, etc.
Et temps passé tellement vite et dans travail, dans genre de travail et ça yo, et qui vient faire que en 4 semaines moi fini avec travail ça pour moi-même, mais tellement gain demande, gain monde qui pas assister, qui t'a besoin comprendre des mécanismes que n'a parlé parce que tout ça n'a fait c'est des travaux pour aider à la reconstruction de pays d'Haïti. Donc, et nous évaluer ensemble qui ça pays a gagné comme ressource, parce que tout problème blocage haïtien, c'est parce que Haïti a tant dirigeant haïtien ou a tant la main ou a fait mendicité et a volé l'argent dans la diaspora, a demandé à l'étranger. Pendant ce temps-là, le pays a perdu confiance sous ça gagné comme ressource, comme potentialité et il n'a pas exploité. Et il y a des bagailles pour exploiter, il faut qu'on fasse appel à soit à capitaux par où, à compétences par où, ou soit il faut faire appel à des capitaux et des compétences étrangères qui pour permettre ou démarrer. Et parallèlement, on va développer expertise par où et valorisation par où pour capable de tirer profit de son gain. Donc, nous exposer la situation avec nous, et chaque fois, nous allons expliquer par paquet de l'autre monde dans le réseau côté de sortie, qui vient faire que chaque réunion, il y a plus de monde qui a demandé pour là. Donc, nous faisons le travail ça pendant 4 semaines et à la 5e semaine, nous sommes montés dans le nord pour aller rencontrer un ensemble de jeunes et cadres haïtiens professionnels qui vivent dans le département ça et qui ont même tout et il y a des réflexions qu'ils ont fait qui étaient nécessaires ou demandé pour présence moi ensemble avec eux et non et certaines de ces réunions et de fait nous rencontré au Cap et plusieurs groupes dont il y a des groupes parmi lesquels il y a des candidats à différents postes sénat et députés municipal Kazek etc mais et au final nous faisons une réunion de clôture et avec une douzaine de jeunes garçons et de jeunes femmes qui sont dans la ville là et qui chaque et dans des réseaux différents a occupé eux, soit sous question bagaille traitement des déchets domestiques et ménagers parce que nous connaissons que la ville du Cap-Haïtien en Bafatra même genre avec la ville de Port-au-Prince des trafics impossibles dans le centre-ville là et quantité de monde qui vient habiter dans la ville là, vient faire démultiplier et construction sous des endroits très fragiles. Donc, le nord d'Haïti, et de 2010 à nos jours, transformé considérablement et quantité fatra qui a descendu dans la rivière du haut du Cap et qui a inondé et la baie du Cap haïtien, son bagage est inexplicable. Ouais. Donc, l'idée intéressante et en cas de travail de reconstruire le pays pour nous maintenir consultation avec acteurs locaux dans zone et dans principale zone urbaine. Donc passe une semaine et au Cap haïtien et profiter pendant semaine ça tout pour avec équipe et comité à regarder à revisiter un certain nombre de lieux culturels et historiques et qui c'est des richesses énormes qui dans zone et notamment dans le département du Nord là. En particulier, on gagne et le fort Picolet, qui est juste dans la limite de la ville là, et au nord de la ville du Cap-Haïtien. C'est une merveille d'architecture et de l'histoire du pays. C'est une zone ça que Christophe t'a occupé. Il t'a dit, les envoyés de Napoléon, qu'il n'y a pas l'ordre pour le laisser descendre. Et depuis au temps de descendre la tirer sous yo et la kembe ville là la boule ville là depuis il pas gagné l'ode que le recevoir de Toussaint l'ouverture donc et zone ça port ça et force à il en zone et Picolet une zone elle est d'ailleurs Picolet qui au nord de la ville du Cap et malheureusement on a constaté degré de détérioration de force à ouais, moun yo envahi zone nan, construction commencé à monter et sous mur et enceinte et pour ça, des trois moun riches te couri acheter tête devant, mais en fait, tout ça, c'est des zones exclusives de l'État qui, avec une administration sérieuse, doit rétablir l'autorité de l'État pour faire rétablir et de telles infrastructures. Même gens n'aller dans zone de profiter tout pour aller garder et l'autre richesse extraordinaire que le pays a disposé dans et toujours dans le département du Nord mais dans la commune de Limbé et dans la section communale de Kankok et qui c'est zone ça à côté que nous gagnons ça a relé des Wash Island
Roche à l'Indure, c'est dans rivière là même, rivière là passé, dans passage rivière là, gagnent et une quantité de roche, de taille de roche que aucun équipement et aucun tracteur équipement qui disponible en région pas jamais qu'à déplacer. Parce que les Américains ont été tentés, ont été rachés, détachés de roche comme ça, et ou tout côté gagne des vis qui ont essayé de mettre pour ne pas casser et roche ça yo, et que roche ça yo pas déplaçable. Et en fait, sur roche ça yo, gagne des écritures. Et c'est des écritures qui remontaient pratiquement du temps des Atlantes. Et le langage qui est écrit sur roche ça yo, en yo même, c'est déjà une grande partie de l'histoire de l'humanité. Donc c'est pas des petits bagages, ça pays a gagné des bagages en dedans qui paraît simple que mon a marché, y a fait saleté sous yo et pourtant c'est des bagages côté que le jodi en là la NASA gagne des satellites qui branché et qui suivent Roch sa yo parce que langage qui est écrit sur Roch sa yo et m'pa konnen si sur réseau et passion culturelle si gagne moun qui fait et les questions de langage et des langages anciens et mais c'est des bagages extraordinaires. Et si nous permettent, moi, si c'est possible, nous sommes capables même chercher, essayer de montrer nous et ou bien voyer ben nous et quelques photos de ça que moi. Yo. Et ça, yo, c'est des bagages aujourd'hui que une série de pays, tant que et l'Israël, tant que l'Égypte, ils ont même ces fouilles à faire pour que ils joignent des bagages et des écritures comme ça, tandis que nous-mêmes, il y a fleurs de sol et c'est dans pleine rivière et ça a qui passé la rivière du Limbé traversé sous et structure ça yo. Et c'est des bagages qui étaient là qui capable nous pas compte combien pièces yo volaient pour pays ya. Et ça c'est des patrimoines, c'est des richesses pour un pays. OK, donc là nous pas vraiment comme ça, c'est pas campé au côté, mais m'a bougé tout temps et a rencontré des tas et des tas de gens et qui intéressaient tout à pays ya. Région Nord, il y a une quantité de patrimoine culturel lié à l'univers du vaudou. Et dans le patrimoine, et ça a joué pour beaucoup dans la spiritualité monde dans le pays. Et le pays, ça n'est pas un pays qui l'a gagné pour compte lui. C'est ça, nous-mêmes, Haïtiens, nous parlons comprendre. Ou du moins, c'est un pile partenaire qui vivent et ensemble avec nous en relation avec Haïti, pas comprendre. Ils comprennent que les Haïtiens différents des restes du monde. Mais qu'est-ce qui fait nous différents des autres? Qui fait nous différents même des Africains qui sont en grande partie nos pères et nos mères d'origine? Qui fait nous différents des Français qui se sont accouplés avec ces pères et mères africains? Qui fait de nous, de monde, ça nous y est? Si vous remarquez en Haïti, vous avez toutes les couleurs de monde, toutes les nuances de couleurs de monde dans le pays. Si vous regardez le pays, vous vous rendez compte que vous avez toutes les tailles de monde là-dedans. Et si vous regardez la capacité d'adaptation et d'apprentissage haïtien, vous êtes tout haïtien capable d'adapter dans n'importe quel autre environnement que l'aller dans le monde. Et l'arrivée dans l'environnement, ça, malgré tout défi capable de gagner, des bagages que vous n'avez jamais rencontré dans le pays, l'adapter, l'y vivre, l'apprendre et le capable de performer dans le pays. Il faut nous questionner tête sur le potentiel ça que nous gagnons, côté nous sommes avec lui. C'est vrai qu'un peu le monde a dit, c'est bon Dieu qui bat nous chaque monde. Donc, oui, c'est vrai. Mais en même temps, territoire à côté de nous sorti, il y a des influences sur nous. Maintenant, pour ça que fait avec toute richesse ça, et puis nous avons fait bâche arrière, qu'on y a, nous avons administration dans le pays, nous, c'est gang qui a déterminé la dernière, fait son monde en sécurité, nous avons couru pour la pauvreté, ville a couru en bas saleté, et monde per monde, etc. Donc, c'est travail de retourner sur les paramètres de la vie de tous les jours dans le pays. Moi, c'est que nous pas penser faire politique dans le pays sans que nous pas, c'est pas visite de touristes et qu'on a le fait seulement la dernière. C'est des visites pour nous comprendre des paramètres dans le pays qui constituaient des forces dans le pays. Je dis à un pile monde qui a regardé à travers Baïsa comme étant des forces négatives. Mais en fait, tout pays, si on prend la zone par exemple de Notre-Dame de Lourdes dans le sud de la France, ou prend la zone de Saint-Jacques de Compostelle et entre l'Espagne et la France, zone ça a des aéroports qui dédiés à eux-mêmes et qui portent des avions de monde chaque jour. Fait des maladies Covid, des bagages, ou des quantités pèlerins qui fait de longues distances pour aller dans zone ça. Et il se trouve que la caille nous tout, le territoire pays d'Haïti, ou des zones comme ça
qui est riche avec la présence des esprits qui aident les gens à répondre à des défis, des maladies, des dons qu'ils ont cherché, des gens qui ont cherché des chances pour voyager, pour arriver à destination, des gens qui ont cherché de faire des prières pour marier, pour jouer des gens qui aiment, pour jouer des gens qui aiment, des gens qui ont cherché des richesses. Des gens qui vont chercher des bagages pour gagner dans la boulette, des gens qui vont chercher des bagages pour jouer un travail, des gens qui vont chercher des prières pour permettre que le business marche. Tout ça, il y a là tout dans le pays. Maintenant, sauf que dans le pays, ça, il y a Notre-Dame de Lourdes, ou côté il y a Saint-Jacques-de-Compostelle, les gens dans le pays, ça, il y a nettoyé côté ça. C'est des zones qui sont tenues très propres. C'est des zones qui gagnent des maisons d'habitation très, très propres, qui gagnent des hôtels, qui gagnent des cailles hautes, qui gagne des aménagements, qui gagne des places, qui gagne des restaurants à multiplication, qui gagne production de biens culturels, et biens artisanaux, qui fait que l'homme vini, l'arrivé là, c'est là où joigne, baleine là, c'est dans la zone là le fait. Et tout ça a pas acheté comme souvenir, yo, c'est entreprise qui fait, yo, c'est dans la zone là, yo, qui baille zone ça, yo, de dynamique économique, qui fait que quelles que soient les crises qui passent, zone ça, yo, pas jamais tombé. L'un a regardé, nous, potentiel qui gagne dans la plaine Saint-Jacques et dans la plaine du Nord, par exemple. Et ça qui gagne en Balimbé, les mounio du haut pour aller la caille et la dame et Erzuli et Bourin. Là où est potentiel qui gagne dans la zone et entre Tibouco, entre Oboy et Port-Margo. Et potentiel de zone de prière, de zone de spiritualité que Mounio considérait comme étant de zone de diable. Et en fait, c'est là tout, même, mais c'est même zone Zahao, c'est là à marcher, monter, descendre, à le faire par quête expédition, dépenser par quête comme, etc. Donc, qui constitue une grande partie d'un héritage haïtien. Et c'est des héritages qui appartenus à tous les Haïtiens. Et nous connaissons, et père comme pasteur, les bois amarrés, tout le monde connaît qui côté pour aller chercher, qui porte pour aller frapper, et pour qu'on fasse plus de monde dans l'église, pour qu'on fasse que le business marche, pour qu'on fasse l'argent marche pour aller chercher, pour qu'on vienne. Donc, nous avons des richesses comme ça qui à travers le territoire pays nous. Donc, passage que nous avons fait dans le Nord, moi-même, je suis passé et près de 8 jours à contourner dans le territoire et à garder et potentialité ça. Maintenant, nous passons une semaine dans la région Sahara et ensuite nous retournons à la 6e semaine Port-au-Prince pour nous préparer et organiser un atelier avec les gens qui ont participé dans 4 semaines de réunion de formation que nous avons fait ensemble avec eux à travers la société civile. Et là, le 22 et le 23 du mois de mai passé, nous organiser et un atelier avec 91 moun. 91 moun ou bien 109 moun, les nous avons gardé d'un point de vue numérologique, ils tapent toujours, ben nous, et c'est 1 plus 9 qui baille 10, ou bien 1 plus 0 plus 9, ils tapent toujours, ben nous 10, et 10, 1 plus 0, ramenez-nous à l'unité. Pays d'Haïti besoin et l'unité à l'intérieur de lui-même, pays d'Haïti besoin l'harmonie. Et à l'intérieur de lui-même, à travers la petite lio, pour que le pays soit capable de placer sur les rails de sa reprise et de sa reconstruction. Donc, atelier que nous avons fait, c'est un atelier côté que 91 moun sa yo sorti à travers différentes réunions yo, et à travers toutes les couches de la société haïtienne. Et donc, à 91 moun sa yo, nous fait 2 jours à réfléchir ensemble sur les piliers de la reconstruction du pays qui s'appelle Haïti. Et juste rappeler nos piliers ça et ensuite n'a campé, c'est peut-être moi c'est probablement à bien des questions etc. Donc nous fait atelier à sous 6 piliers parmi lesquels il y a 3 piliers fondamentaux qui c'est qui ça haïtien est et qui foi, qui pensée, qui directive spirituel haïtien et Haïti. Donc, nous, dans le pays, nous avons un bagage, nous avons bouillé des bagages dans nous, et à travers différents types de religions, nous avons lavage de cerveau qu'a fait, mais que la spiritualité haïtienne qui participe dans la formation caractère culturel, dans la formation caractère expérimental, dans la formation caractère et dans la façon de penser nous, dans la façon de concevoir nous, dans la façon de garder relation nous avec les autres, dans la façon de comprendre bien-être nous, comment que ça fait
dans qui gens nous chercher et qui ça nous joindre et comment nous utiliser. La spiritualité qui mettait nous en relation entre la terre et les autres espaces, l'esprit divin, eh ben nous pencher en pile sous premier pilier qui c'était la spiritualité haïtienne. Deuxième pilier, c'est quelles sont les institutions, c'est-à-dire qui institutions sur lesquelles pays a dû ajuster pour le rebâtir pour que il pas retourner non et écraser briser encore que haïtien obligé à courir quitter Haïti, haïtien paix Haïti et parce que ou pas jamais senti en sécurité à tout point de vue. Donc, troisième pilier fondamental là, c'est l'organisation de la société. Et à travers l'organisation de la société, nous regardons l'organisation de l'État, l'organisation de la société civile, les organisations et, qui permettent que les services de production de biens et de richesses faites, les services de production et de biens et de services et sociaux qui permettent que citoyens ont senti et vivre d'un bien-être lorsque apprennent la caillou pour aller fierté des caillou. Trois piliers ça, la spiritualité, les institutions et l'organisation, c'est trois piliers fondamentaux dans la vie de toute société. Aucune société n'a pas développé en dehors de particularités caillou qui inscrit dans trois ensembles de piliers ça. Ensuite, nous avons trois autres piliers que nous dit que ce sont des piliers transversaux. Et quatrième pilier, c'est l'inclusion haïtienne. C'est comment pour que les Haïtiens, qui sont dans le pays, qui sont dans le pays, nous continuent à tiendre et sentir que c'est des membres à part entière de la société. Ça. Donc, ce n'est pas un bagage qui a fait seulement un papier ou bien un bruit pour dire qu'il faut un référendum pour faire tout Haïtien les mêmes droits. Non. C'est qu'il y a des bagages entre les Haïtiens qui pour unifier Haïti avec les Haïtiens. Et ça, c'est tout processus d'inclusion, que ce soit dans l'éducation, nous, que ce soit dans le partage d'activités culturelles, nous, que ce soit dans extension d'opportunités pour que ce n'est pas un prêt pour peut-être une famille ou seulement, mais c'est la façon de partager et de vivre une vie d'un peuple, même genre tout l'autre peuple qui est migré, continuer à vivre en bien avec la communauté qui l'a accueilli, même genre sa candidat vivre avec bien sa dehors et sa dehors vivre avec bien avec sa candidat. Eh bien, il faut que nous arrivions par là. Et ça, c'est des bagailles tout qui sont capables de construire. Et c'est le tant que nous ne faisons pas ça, le pays a continué à craser. Cinquième pilier, c'est la décentralisation. La décentralisation, c'est des processus de transfert de pouvoir politique, de pouvoir institutionnel, de pouvoir organisationnel entre les centres de décision qui doivent être Port-au-Prince et les restes des autres départements qui ont débridé, qui ont démarré, qui ont libéré le potentiel de monde qui sont dans la région ça, et qui sont dans le département ça, qui sont capables de connaître que nous avons une série de l'ordre, il n'y a pas besoin d'apprendre l'ordre dans Port-au-Prince pour entreprendre des bagages à la caillou. Les services, les banques, les opportunités qui encadrent le développement de nos régions, eh bien, il faut que les bagages sahariens, nous arrivions à travailler pour mener les bagages sahariens dans la région pays et permettre à ce que la décentralisation soit capable de faire, ou les gens capables de faire la ville dans la région, sans le voir obligé à sacrifier dans notre province jusqu'à ce que l'obligé quitte le pays, abandonner le pays. Et donc, le sixième pilier, là, c'est ça, aucun monde n'a jamais réfléchi sur lui. Est-ce que le pays d'Haïti est obligé de dépendre de l'extérieur pour financer transformation et développement ça. Nous-mêmes nous disons non. Et dans le cadre ensemble des échanges que nous faisons, nous disons mais faut nous mettons au sixième pilier qui carrément les voies et les moyens de financer et de soutenir le développement du pays. Et ça a tout fait sixième pilier sur lequel nous travaillons. Donc c'est six piliers et la spiritualité haïtienne, les institutions de développement du pays, l'organisation de l'État haïtien pour répondre à besoin, l'inclusion haïtienne et la décentralisation du territoire du pays et les voies et les moyens en termes de moyens humains, moyens financiers, moyens stratégiques qui sont capables d'encadrer le pays pour permettre que nous n'avons pas besoin d'enfermer en mendicité parce que le pays a suffisamment de richesses et haïtien a suffisamment d'opportunités pour que le pays soit capable de développer. Donc, ce travail ça, que nous avons fait, là, nous partons de mes amis, ce n'est pas mis en vacances, malé. Ce n'est pas ni Mahon, nous, mais c'est travail, notre travail à travers toute la communauté. Et Kounia là, parallèlement à ça, nous avons travaillé pour préparer le congrès des leaders de la diaspora haïtienne. Pas oublier que le congrès, ça, lui-même, c'était un autre point pour nous parler là, a fait du 15 au 19 juillet et année ça, et l'a fait dans Orlando, en Floride, et aux États-Unis. Et là, c'est tous les leaders des communautés haïtiennes à travers le monde qui invitaient ensemble pour que nous regardions et ça nous vaut aujourd'hui. Et par rapport à ça nous vaut,
est-ce que c'est Jean Haïti a traité leadership li a là? Est-ce que c'est comme ça nous-mêmes nous avons accepté que vous traitez nous? Est-ce que nous pas qu'à peser plus de nos poids, de nos moyens, de nos compétences? Ça, c'est ça qu'on travaille, non? Et donc, on est très engagé à travailler avec différentes associations au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Amérique latine, en République dominicaine, etc. Nous avons passé une semaine là et à travailler avec l'autorité dominicaine sous problématique Haïti et République dominicaine, sous comment nous sommes capables collectivement développer de Paris d'autres de l'île là, sans que nous ne soyons obligés de bombarder la caillou avec moun, avec maladie, avec étudiants, avec moun qui. Et pourtant, en même temps, nous sommes plus gros marché pour eux, c'est nous qui plus gros main d'œuvre la caillou. Donc, il faut que nous rééquilibrions ensemble de travail. Donc, l'ensemble de travail, ça, mes amis, ne permet pas que nous disponible pour trop souvent pour nous parler. Ce n'est pas parce que je ne pense pas à nous, au contraire, dans toute intervention que je fais, m'a rappelé solidarité, courage et travail que nous-mêmes, qui la communauté haïtienne de France et en Europe, a fait. Seul problème, c'est que nous, en pile comme organisation, nous plus que au millier d'organisations haïtiennes en Europe et en particulier en France, dans la région parisienne en particulier, organisations en pile. Donc, même j'aime d'avoir encouragé et leader que j'ai eu la chance de rencontrer de la nécessité pour que nous rapprocher les leaderships des différentes tendances, des différentes associations, parce que nous, tout bon moment à privé, c'est pour les Haïtiens à parler, c'est pour Haïti à parler. Donc, il faut que nous arrivions au moment où nous rapprochons. Donc, le congrès qu'on vient pour faire en Floride, et nous espérons que un nombre assez important de leaders des communautés haïtiennes de France à présent. Nous allons bien pour nous reparler de ça. Voilà, donc, moi, quoi que nous, et peut-être y a un pile besoin pour nous, ouais, un pile besoin pour nous communiquer, un pile besoin pour nous échanger, et un pile besoin pour nous parler de construction politique de force peuple-là, de qui travaille cap fait, de qui niveau que nous y connaissons, etc. Et m'a dit nous que l'atelier, ça a été fait et 22-23 et mai, et by naissance à un comité de pilotage. Et comité de pilotage, ça a lui-même gagné un ensemble de travaux que nous allons faire parce que nous sommes de et rapprochement qui fait entre participants dans l'atelier et les représentants de Force Peuple qui te viennent assister à l'atelier. Et des grands tiers, presque un tiers de membres Force Peuple qui étaient constitués 91 monde ça a eu qui étaient dans l'atelier. À la suite de l'atelier, ça a un pile monde boudé, notamment Force Politique, mais force organisée traditionnelle dans la société civile là, parce que vous ne comprenez pas, parce que vous n'avez pas de monde qui j'ai demandé, on goûte. Et il y aurait bah, la fête avec les plus hauts standards, les fêtes dans les lieux les plus hippés de la capitale Haïti. Et bah, la fête, les fêtes très bien, et nous allons demander aux 50. Et ils ont peur parce qu'ils ont dit qu'il y a un peu de questions à poser. Est-ce que le docteur Mathurin a bien des forces à l'étranger, qui a des États à l'étranger, qui a mis de l'argent à disposition? Or, en fait, c'est que tout le bagage ça, fait, organisé, réussi jusqu'à sa fermeture avec des Haïtiens. Et des Haïtiens, parmi lesquels, il y a des gens qui sont très riches, il y a des gens qui sont moyennement riches, il y a des gens qui sont pauvres, il y a des gens qui sont très pauvres. Eh bien, on a toute qualité de monde ça là, et financer un bagage comme ça, qui est un petit peu plus de 25 000 dollars américains, c'était un jour, nous chita, nous débattre de combien ça va coûter, pour que ça va coûter, qui est-ce qui est capable de payer, qui est-ce qui n'est pas capable de payer, pas occuper tête ou de ça, et qui est-ce qui est capable de supporter ça qui n'est pas capable de payer. Et puis, rapidement, tout le monde, en fond, bizarrement, tu es réuni et avec des chefs ou des cash sous table là, et nous payer et Hôtel Caribe Convention Center pour tout un étage et gagner des leaders qui sont dans le sud, dans le nord ou autre, que nous t'es même hébergé dans le même hôtel ça, qui permettent que bah, ça a été fait très bien. Donc, la question c'est que lorsque il y a des bagages sérieux qui débattent d'Haïti et des Haïtiens, les Haïtiens savent comment se responsabiliser. Ok? Donc, mes amis, même moi, à ma disposition, nous, moi, parler trop. Désolé, c'est parce que nous parlons souvent. Maintenant, on va camper pour peut-être recevoir les questions et faire des échanges plus élaborés ensemble avec. Pas qu'il
tout ça que ça vient porter, tout ça que vous venez monter, tout le monde planté, nous récolter. Tenez la pluie tombée, merci c'est là le soleil gris, mais maintenant mes nouveaux problèmes passés. Oh mon Dieu, tant de temps pour marcher, n'a même mangé chaque fois que me jeter, si mon yo quand on gare yo danser. Franchement, ou pas là, mais quand même, autant le travail quand même. Je travaille d'arrache-pied. Ok. Je travaille d'arrache-pied. Yeah. Très bien. Ok. Et là, samedi, il y a une réunion. C'est que vous pouvez l'inviter et pas mal de monde pour nous capables en direct avec vous, c'est ça? Oui. Alors, ensuite de quantité de travail, ça a eu. La dernière semaine qui vient de s'écouler, donc sorti Haïti mal Saint-Domingue, m'a discuté avec un certain nombre de leadership intellectuel et politique République Dominicaine. Sous et par rapport à la crise qui a passé en Haïti, hein, comment nous-mêmes nous voyons les portes de sortie, mais également les relations haïtiano-dominicaines, comment nous sommes capables d'améliorer les relations ça. Ce que moun sa yo qui tout c'est des intellectuels, des moun qui remet l'île, qui remet Saint-Domingue, mais tout qui remet Haïti par la force des choses. Parce que nous tous les deux à côté de l'autre. Donc laisse ça mal passer en Haïti, Saint-Domingue absenti, laisse ça mal passer Saint-Domingue tout, faut nous connaître que Haïti qu'on senti. Les cyclones frappent Saint-Domingue, ben nous craser Saint-Domingue, faut nous connaître que c'est en Haïti on vient acheter. Dans tout cabaret à Cayenne, Léogane, dans tout sud. Dominicain, vous mettez tous les deux, vous venez chercher bananes, vous venez chercher yon, m'acheter, m'acheter véritable pour retourner vers la caille. Même gens tout, nous-mêmes tout, nous allons acheter dans la caille. Maintenant, vous comprenez, ça c'est des bagailles individualisées. Mais les États, nous comprenons que leur partage en territoire avec un État, tout danger, tout enjeu que le territoire a gagné en bon côté, il a des répercussions sur l'autre côté. Donc, nous allons, ouais, Dominicain, nous commençons des discussions très, très intéressantes. Très structurel d'un point de vue politique que n'a pas continuer exposer bah ça avec eux et ont invité moi pour me retourner et cette fois-ci pas comme un monde qui a passé mais comme une personnalité politique de l'île parce que il y a des travaux que me fait qui bénéficiaient de part et d'autre de l'île. Donc on retourner et cette fois-ci même il y a planifié pour que nous venions rencontrer avec les communautés de l'université, les communautés d'affaires de la République dominicaine, les communautés d'affaires haïtiennes qui sont en République dominicaine et les forces politiques haïtiennes qui sont en République dominicaine. Donc, ils ont invité pour me retourner, pour me rencontrer avec différents groupes de façon à parler de projets justement sur les piliers sur lesquels Haïti va se reconstruire. Et les relations futures qui doivent développer solidairement, progressistement entre Haïti et la République dominicaine. Donc, je vais sortir dans la relation de mendicité, de rester avec tout le monde. Et on est très accord, tout très favorable à des bagailles de grandeur. Nous quittons Saint-Domingue, nous voyageons à Mexique. Et Mexique, on a rencontré avec un comité dans l'équipe qui a préparé le congrès. Et analyse que nous fait de situation préparative et d'avancement congrès, il y a plus qu'une centaine de monde qui semblaient déjà inscrits pour venir prendre part dans le congrès. Et ça, vous remarquez, c'est que une exigence moi-même que m'ta fait, on m'te dit yo faut que leader ça yo mandaté par organisation côté yo sorti de façon à ce que gon responsabilité de venir rendre compte par moun côté que nous sorti. Apparemment leader yo pas fait ça parce que gen les gon ce bagaille qui gênait en pile nèg pour venir rendre compte de ça qui passé qui ça fait qui engagement yo prend ensemble. Donc ça li te permettre que nous passions 3 jours à Cancun avec nous une trentaine
de cadres et leaders qui investissent nous, tant nous, pour nous aider à préparer le congrès. Donc, au final, l'équipe qui travaille sur le congrès, et notamment le mouvement patriotique des Haïtiens conscients, avec différents autres groupes qui travaillent sur le congrès, et dis-moi, docteur Mathurin, ça arrive tout, c'est parce que on pas tellement parlé de congrès. Je dis, mais bon, nous-mêmes embauchés, nous firmes de consultation qui a fait contact, qui a fait promotion. Passer ben nous toutes les listes de nos mounes que nous rencontrons pendant près de 2 ans que nous travaillons pour mettre le congrès en place. Je dis non, c'est vous-même moun qui pas inscrit, pas venu, si vous pas attendez que vous là. Donc, docteur Mathurin, il faut que vous mettez vous disponible depuis semaine ça pour jusqu'à ce que le congrès arrive et engagé. Bon, l'on travaille petit là, ou gen la dernière parce que ou forcé pour procéder des visites là aussi. Donc, dans ce sens, ça, m'oblige pas à dire non, de dire, bon, mon fin fait travail organisationnel que m'engage déjà ici, tu et donc, à partir de samedi, n'a fait une conférence d'information vers les leaders. Conférence d'information, ça, son conférence Zoom, moi-même, map en Haïti, et docteur, Yves Jean à New York et quoi que docteur Jean Fizemé à Montréal et docteur Wisner à Atlanta et peut-être bien de l'autre monde et ingénieur Clément et qui est lui-même dans Long Island et tout le monde ça a souhaité et ensemble avec moi et sous conférence là l'objectif de conférence là c'est justement et parler de ça qu'elle fait dans le congrès hein, et continuer le travail de sensibilisation des leaders. Donc, dans ce sens, ça a tout profité de passage sous Radio Passion Culturelle pour saluer différents leaders de communautés haïtiennes qui sont en France et qui sont en Europe, mais également différents leaders de communautés haïtiennes qui attendent Radio Passion Culturelle, que ce soit au Chili, au Brésil et en Argentine, en République dominicaine et dans les Caraïbes et dans les autres pays de l'Europe, pour dire que nous allons dans la conférence là, nous avons présenté un site web et congrès de façon à ce que nous soyons capables d'aller directement sur ce site web là pour le travail que le congrès a fait pour le faire, but que le congrès a fixé tête là. De façon à ce que ce n'est pas moun qui a voué un message, qui doit avoir un message pour nous encore, il faut qu'à travers le congrès, nous sortions avec des structures qui représentent nous. Et à travers la représentation nous dans le congrès haïtien, parce que quand même la diaspora, c'est plus qu'un quart de population haïtienne. Donc, nous en mesure de participer, nous avons des gens qui ont connaissance suffisamment, qui sont capables d'aider, rédiger les documents qui concernent les relations Haïti avec la diaspora. Et ce n'est pas Haïti pour avoir des bagailles là, pour éviter de nous. Nous en avons un âge et en condition qu'on y a pour que le leadership haïtiens exprimer. Donc c'est formation leadership ça, structure qui doit porter leadership là. Qui genre de relation à travers et structure leadership de congrès ça que haïtien qui organisé qui en dehors de pays a doit gagner avec pays. Donc c'est travail ça que nous allons gagner pour nous débattre dans conférence. Donc dans sens ça et m'a pas le voyer et on liste de organisation haïtienne qui est en France et malheureusement entre la Turquie et l'Espagne moi perdu téléphone moi donc moi perdu un paquet de contacts que j'ai gagné avec plusieurs des leaders et des organisations donc m'a profité de passage ça et peut-être et sur Radio Passion Culturelle m'a demandé nous pour nous faire passer et non moins avec numéro téléphone et qui est WhatsApp ça que n'a pas l'air. C'est de façon à ce que tout leader, yo, ça n'était pas là avec eux directement, ça noté, il y a des contacts téléphoniques ensemble avec eux. Ça, tout, bon, après, je vais parler avec et frère nous, Jean Smith, et qui est un acteur assez actif dans la communauté. Je vais parler avec Edwin d'Haïti, qui est un monde qui travaille en pilote, diaspora, et permettre à ce que la diaspora, les Haïtiens vivant à l'étranger, capables de nous écouter, nous voir, et tout travail, tout acteur ça, qui travaille dans la dynamique, ça, congrès à la mesure de réunir tout d'un seul côté. Okay? Et c'est même bagaille, on a fait tout vers les plus anciens leaders de la diaspora, comme vers les plus nouveaux.
que ce soit ça que dans média yo, que ce soit ça que dans activité économique quand ko moun ki nan association des chauffeurs des transporteurs et haïtiens et de Paris, que ce soit ça yo ki nan et communauté radio et téléphonique et dans média yo, que ce soit ça qui dans association pour cap faire des services bail et des quartiers dans pays d'Haïti, que ce soit ça qui cap faire des initiatives intellectuelles pour rapprocher les intellectuels et tant coup m'a tout profiter excuser et organisation haïtienne de France qui t'a fait et 2 jours de consultation semaine passée ah, malheureusement et moi retourner sorti en au Mexique, même de retourner avec un peu de tellement fatigué, pas en forme, donc je ne suis pas capable de prendre part, alors que je connais le capitaine de moi, comme un intervenant qui te doit participer ensemble avec eux. Donc, profiter pour présenter tout, excuse-moi. Mais de dire tout également que son besoin que le pays d'Haïti gagne pour que nous-mêmes, Haïtiens, quel que soit côté nous y est, il faut que nous arrivions à mettre en place des structures côté que nous capables parler d'une seule voix. Et à travers structure ça yo les au besoin nous quel que soit message yo gain pour les communautés haïtiennes dehors et ben yo ka en mesure de voyer message la passer de façon transparente à travers congrès haïtien congrès moi même moi pas besoin gain aucun rôle là-dedans pas besoin aucune responsabilité là-dedans parce que c'est en Haïti moi même m'a vie mais il se trouve que c'était moi même qui était avec ensemble de leaders ça yo qu'on était rencontré en 2019 et dans New York te prend la décision de recommander yo pour que ça nous pas commencer travail pour nous faire respecter nous pas gen moun k'ap vinn pote pouvoir ban nous si nous voulons jouer un rôle dans pouvoir politique en Haïti mais faut qu'on investit nous dans organisation yo de façon à ce que leadership collectif nous à l'extérieur capable porter nous et mais ça nous ka faire et donc c'est dans cadre ça que me te recommander yo en nous travail pour nous arriver à ça et yo te dit mais docteur Mathurin est-ce pour capable aider nous travail pour nous arriver à ça et m'te dit yo m'ka fait et 1 an 3 mois à aider au travail pour construire les bases organisationnelles les contacts avec les leaders mais malheureusement le monde est tellement vaste moi même seul comme monde pas capable marcher faire travail donc les médias sont mobilisés un paquet de conférences qui fait qui touchait en pile monde en pile leader et en pile leader qui exprimait volonté pour participer dans le travail ça. Donc, m'a tout parlé avec nous-mêmes qui en Europe pour dire nous que le congrès a après le fait, nous considérer congrès ça comme 4e grand congrès historique pays d'Haïti et 1er grand congrès des Haïtiens qui vivent dehors. Pour ça, nous dit c'est 4e grand congrès pays, c'est que là pour pays d'Haïti t'est fait et il y a 3 congrès fondamentaux qui te mettent en place pour nous arriver là-dedans. Premier congrès, son congrès qui fait et dans le nord, sous l'habitation Bois Caïman, en 1791. Son congrès qui était fait en secret, en cachette. Et les leaders haïtiens et, qui étaient des marrons et des esclaves, à travers tout le pays, sont arrivés à organiser, malgré toute contrainte qui était gagnée, pour être réunis et dans l'habitation et le Normand de Mézy. Et ce congrès, ça, c'est le premier acte de volonté de toute diversité de bataille de la libération du peuple vivant sur le territoire haïtien. Et bizarrement, c'est la première grande bataille, le premier grand congrès de libération organisé dans le monde. Et ce congrès, ça, qui va mettre éléments de base, qui va faciliter l'émergence de Toussaint et l'émergence de Dessalines et l'émergence de tous ceux-là qui vont participer plus tard dans le 2e congrès, qui c'est le congrès de Pralin. Congrès de Pralin, son congrès que Dessalines a organisé avec les mulattes du Sud. Pour qui ça, c'est que la bataille et pour que le Sud, quand on vient indépendant, t'as cherché à diviser pour sortir en bas contrôle la France et pour déclarer la guerre du Sud. Et Toussaint, comme général en chef, pour gagner une bataille ça, parce que pour le, sous le nom de la France, tout simplement mobiliser l'ensemble des forces et descendre, craser résistance qui était dans le sud. Et c'est Dessalines qui était commandant que Toussaint est voyé mener bataille ça. Donc, Dessalines te fait un pile dégâts et sur la population du sud et pendant la guerre du sud là, qui va le faire que qu'on y a, pour nous entrer ensemble, pour nous battre ensemble, faut que gagne mea culpa que fait. Et là, les leaders du sud demandaient aux leaders du nord et de l'ouest pour que yo réuni ensemble et pour Dessalines te rentrer dans le sud sans vague zam. Et en effet, Dessalines quittait toute zamni dans la ville de Cavaillon et
yo pran escouade cheval yo pou travèse territoire et yo rentre nan habitation Pralin. Habitation Pralin trouvé li sou territoire entre Chantal avec Torbec dans le sud. Et yo fè deuxième congrès sa ki son congrès d'unification des haïtiens et entre les mulattes, les noirs qui pral d'accord pour nous battre ensemble pour nous aller vers l'indépendance. Ça c'est deuxième congrès. Et troisième congrès, c'est le congrès du 18 mai et la fête du drapeau. Donc c'est le congrès de la CAIE qui lui-même était réuni collectif des dirigeants noirs et des mulattes haïtiens pour nous adopter un drapeau en commun et pour nous accepter une stratégie commune pour nous mener dernière guerre de l'indépendance pays. Trois congrès ça a fondé pays. Maintenant, les difficultés, les problèmes que Haïti rencontrés après le poté ou partie de la population haïtienne exilée. Soit c'est des exils politiques, soit c'est des exils sociaux, parce que nous n'avons pas une université assez pour nous apprendre, pour nous étudier. Soit c'est des exils économiques, parce qu'en pile, nous pas qu'à travailler dans le pays, nous n'avons pas qu'à une possibilité de développer l'entreprise là qu'à nous. Donc, nous sommes obligés à travailler dans l'autre côté, à l'installer dans l'autre pays. Nous avons émigré en grande quantité jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, nous constituons dans sac de yoyo presque plus qu'un quart de population aujourd'hui. Donc, les créer possibilité pour que nous capables de venir chita ensemble comme haïtiens et comme haïtiens qui vivent de leur pays, parce que nous avons un point de vue par nous. Nous avons une histoire à partager avec Haïti. Nous avons un appui que nous devons porter par Haïti, mais un bon gaspillage que nous avons. Jodi a pour nous songer, dans plus que 4 millions haïtiens qui dehors, 84% dans monde qui fait études universitaires et qui fait baccalauréat, qui fait études universitaires et soit en Haïti ou soit qui complète 84% haïtiens c'est dehors qui gagne qualification ça. Donc c'est pour jouer. Et leur besoin de reconstruire pays a chaque monde d'abord avec idée et ensuite avec stratégie et avec l'argent. Or si nous gagnons 84% de haïtiens capables yo qui dehors kounya c'est comment pays a avec haïtiens ça doit entendre. C'est pas une relation de rester avec que le doyer. C'est pas une relation que haïtien a pour quitter la France pour rentrer en Haïti vienne faire tout pour capable ballon job ministre. Faut nous sortir dans saleté ça. Et pour nous ca sortir dans saleté ça, c'est pas un ministre qui sort dans diaspora que Haïti doit gagner. Par rapport à poids diaspora haïtienne, il y a plusieurs ministres que c'est compétence haïtienne qui dans diaspora qui a droit occuper. Mais ça a bouillé faire, il faut que haïtien dans la diaspora faut nous structurer, faut nous organiser. Faut que c'est pas un job où nous n'a pas cherché, c'est pas un job comme travail aux amis. Est-ce que nous comprenons c'est ça qui travaille que n'a préparé congrès ça et développement d'Haïti tout pas qu'a fait sans nous pas tenir compte de 4.5 millions haïtiens de yo. Même bagaille là, m'attendre toute souffrance n'a dit sur tout groupe haïtien qui dehors qui a parlé d'Haïti, tout son paquet de souffrance que n'a pas. C'est en qui souffrance en pile regret. Or, en fait, c'est parce que regardez Libanais qui a parlé, il pas souffrir, vous regret comme ça lui-même. Liban, il y a 5 millions de monde qui là-dedans, mais Liban il y a 25 millions de monde qui dehors. Faut nous comprendre que le monde n'a vivre là-dedans aujourd'hui. Hein? Lors c'est ressortissant dans le pays, petit tout, arrière, petit tout, toujours moun nan pays kote ou sorti. Même s'il gen combien passeport nan men. Et c'est qui valeur ko bay moun ou sa yo, qui a viv dehors, qui a traduit tout, qui valeur moun dehors a bay pays ou la. Et c'est ça, leader politique haïtien pas comprendre. Donc travail pour nous mettre congrès à camper, son congrès pour nous valoriser les haïtiens de la diaspora et les leaders de façon à ce que les avoués moun représenter nous, n'a voyé des moun qui représentatif de nous-mêmes. Et à travers le congrès, il y a des structures permanentes qui a bien pour mettre en place. Structure permanente ça a bien cap bien présence aux États-Unis, bien cap bien présence en Europe, bien cap bien présence en Amérique du Sud, bien cap bien présence en Afrique, bien cap bien présence en Océanie. Parce que tout côté haïtien, c'est que son problème ils vont haïtien ou injustice sur faire en haïtien, il faut que tout haïtien connaît, faut Haïti connaît. Et vous connaissez réponse pour le côté. Et ça, on pas capable de faire si nous-mêmes, dans le leadership, nous, à l'extérieur, dans le pays de l'autre bord de l'eau, nous pas organisé. Et vous connaissez qui quantité de division qui vient entre nous. Vous connaissez qui quantité de chirépite qui vient entre nous. Vous connaissez qui quantité de souffrance en pile dans nous a subi parce que nous t'a aimé, ouais, Haïti avancé. Mais pour Haïti avancer, il faut que Haïtien avance.
Et pour Haïtiens avancer, ce n'est pas seulement Haïtiens en Haïti qui doivent avancer. Nous-mêmes qui sommes dans la diaspora, nous devons avancer d'un seul pas. Nous devons en mesure de parler d'une seule voix. Le congrès, c'est ça le travail pour le faire. C'est que mon capital concret, c'est que mon n'a pas besoin vraiment d'un parti politique. C'est que non, c'est tout le monde. Non, ce n'est pas un congrès de parti politique qui a fait là. Voilà. Congrès adressé aux leaders haïtiens. Ou bien des leaders haïtiens qui ont fait politique à l'étranger. Après un parti candidature unique, après près de 10 candidats dans la diaspora, mais ce sont des leaders que mais c'est des leaders haïtiens qui sont à l'étranger. Donc, il faut que nous créions un espace côté eux-mêmes comme politique qui ont parlé. Même bagaille là, et si un jour que la diaspora haïtienne a besoin de peser sur la politique haïtienne, eh bien c'est justement à travers un congrès comme ça. Il faut qu'on structure de façon à ce que nous connaissons qui est ce que nous voyons. Ce n'est pas nous qui avons décidé de déclarer tête. C'est la diaspora à travers la structure à part mesure de déclarer quel est le leader le plus représentatif pour tel poste qu'elle est capable de positionner sous pays. Ça, c'est une. Mais les leaders des communautés, c'est nous-mêmes qui travaillons dans la communauté. Sous le cas de Zone Saint-Denis, côté que l'organisation Poirier et côté plusieurs autres organisations là tout. Eh bien, nous-mêmes, on travaille avec la communauté dans la zone Godoyer comme haïtienne, mais on travaille tout comme franco-haïtienne avec les élus dans la communauté Godoyer. Parce que Godoyer, c'est là où on travaille, c'est l'organisme. Mais gens, on travaille ou lever moyens pour supporter des organisations, des groupes, des jeunes en Haïti. Mais Godoyer a tout, on travaille ou on fait pour rapprocher avec le leadership haïtien qui est dans la zone. Mais c'est même bagaille ça. Ce n'est pas une question de son congrès qu'a fait pour les leaders politiques. Non, l'a fait pour les leaders haïtiens de la diaspora. Ou bien des leaders dans le monde intellectuel. Bon, pas qu'être grand leader universitaire, mais ils ont invité. Par exemple, il y a des gens qui sont dans GRAN. GRAN, c'est un regroupement des gens qui sont des professeurs, des professionnels dans tous les secteurs. GRAN réunit en pile dans le monde. GRAN a bail de coup de main dans la formation dans le pays, il y a une université. Qu'elle crée en DVIA tout. Donc, en pile professeur, elle fait de cours dans des universités haïtiennes que c'est Gran qui voyait. Moi-même, moi qu'on a fait de cours dans certaines universités à la demande ou au remplacement de certains professeurs qui sont tout à l'étranger pour Gran qui va arriver. Comme moi-même, moi, entre les, à l'extérieur, me former en conséquence, même j'aime qu'à enseigner en dehors du PIA pour les étrangers. Donc, là, il y a des moments privés pour aider le PIA. Certaines fois, certains cours, et dans des universités dans le PIA, que deux fois, c'est Gran, et c'est au nom de Gran que mal fait. Par exemple, on a tout profité, bah, c'est parti nous, et à communauté Université Nouvelle Grandance, qui est dans Jérémy, et dans Décadé, et qui sont perdus dans la maladie COVID là, recteur et fondateur de l'université ça, qui est ancien sénateur et Roumer. C'est pour dire que le travail moi-même avec les leaders de la communauté haïtienne, non, que ce soit ça dans le secteur professionnel, industriel, et nous travaillons ensemble avec eux, comme des mondes qui dans la communauté et culturelle et qui dans le côté organisationnel, tant que la maison d'Haïti, son maison que depuis les entrées étudiantes en France en 94 que me commencer à interagir ensemble avec PAFA et c'est des structures que nous participer avec Romel et Louis Jacques et Jean-Michel Anquin et plusieurs autres étrangers et monsieur qui dans la radio Conlambi nous travaillons ensemble pour rapprocher les organisations pour permettre à ce que l'idée ça arrive émerger ainsi de suite. Donc nous pas parler uniquement dans le congrès des leaders politiques, au contraire. Ou bien plus leader qui s'apprend de grands rôles en pays côté yoye. Par exemple, ou bien le juge Lionel Jean-Baptiste, qui est dans Chicago, qui est un juge d'origine haïtienne. Et bien, ou bien 158 élus haïtiens-américains. Qui tout le monde sait, c'est des leaders dans la communauté côté yoye. Même gens qui ont pas être grands professeurs haïtiens qui travaillent comme pour la promotion et développement scientifique dans des pays étrangers, c'est des leaders que nous savons. Même gens, il y a des gens qui bien réussi dans l'affaire, qui organisent des entreprises, qui créent emploi, qui bail job et dans le pays étranger côté yoye, c'est des leaders que yoye. Donc, ensemble de organisateurs et de leaders, ça, yoye, c'est de yon n'a pas. Même gens, il y a des gens qui se déportent de voix, et qui marchent, font propagande politique dans la communauté. Eh bien, il y a dans la zone communauté côté yoye, il y a des gens qui nous invitent. Mais sauf que
contrainte moi-même moi te mette a qui fait en pile là dans au peur c'est l'aime te dit n'a pas recevoir dans congrès des leaders qui ont mandat ça veut dire que dans organisation membre côté sorti a organisation mandaté pour représenter ça veut dire que leader a pas venir dans congrès pour représenter tête seulement il représente un groupe il représente une communauté il représente une organisation il représente une association mais gèlè en pile dans leader au paix aspect ça parce que yo pa renmen gen devoir de rendre compte yo pa gen devoir de faire rapport retourner ba communauté et me connaît par exemple en France et là peut-être difficile dans la mesure où l'on leader a déplacé pour aller et sinon deux nous trois et ben faut organisation prend en charge nous payer billet d'avion nous payer et séjour nous mais c'est normal les nous fin faire et travailler là faut nous retourner pour nous réunir avec Mambio qui t'a supporté financement nous en retour faut nous rendre compte mais qui travail nous t'a fait mais qui ça fait mais qui a qui résultat que nous abouti ouais donc c'est ça et moi crois que l'important tout si nous voulons corriger n'a dit Haïti gagne en pile corruption Haïti gagne en pile gaspillage qu'a fait mais la façon que gaspillage et corruption fait son absence de transparence son absence de sens de responsabilité son absence de l'esprit du devoir. Leur al font bagay ou bon devoir pour faire ou bon compte rendu pour bay. Et compte rendu ça, c'est bay moun qui te bon pouvoir pour al représenter là pour ta bay li. Donc c'est ça nous même n'a demandé pour nous discipliner diaspora nous. Parler d'un seul voix, vle dit tout, faire une série de bagay de façon transparente. Ça veut dire que reconnaître que gen des valeurs dans diaspora. Reconnaître que pays a, il doit compter avec diaspora. Reconnaître que c'est pas un bruit seulement si Haïti a une nouvelle constitution qu'il t'a dû élaborer faut nous comprendre que chapitre qui doit traiter des affaires diaspora c'est dans leadership diaspora pour chapitre ça t'a sorti et ensuite a un débat qu'a fait avec autorité haïtienne pour nous joindre au terrain d'entente sous lui même genre nous pas besoin d'écraser briser pour nous transformer les lois et les règles qui fait pays à fonctionner ça a yo leadership diaspora a pour chita pour le travail sur comment pour nous renforcer communauté nous qui dehors si moun nou ki fait à l'étranger pour que pays a pas perdu comment pour nous réfléchir pour nous renforcer capacité jeune qui sorti dans université qui sorti dans l'école technique pour que yo capable accéder à des possibilités de développement pour peut-être pas côté yo en diaspora comment pour haïtien pas perdu territoire côté yo installé en diaspora faut dire là par exemple dans notre Miami qui sont communes qui depuis plus de 35 ans c'est haïtien qui a géré bon kounyan a perdu territoire étrangers presque fini pour le territoire, petit haïtien qui fait un territoire ça obligé à quitter pour aller chercher travail l'autre côté. Et c'est pas travail qui manque. C'est des bagailles qui mandent nous faut nous réfléchir sur devenir nous. Donc c'est dans congrès ou bien des thèmes consacrés pour débattre. Et puis il y a les structures qu'on y a, on va réfléchir ensemble sur structure organisationnelle qui doit être représentative de nous à la fois vis-à-vis des états côté que nous vivons, à la fois vis-à-vis de l'état haïtien. Ça c'est travail ça va pour aller pour fait non. Dans le congrès à madame Marie Hilaire et ou Marie Saint-Hilaire pour qu'elle comprenne que congrès ce n'est pas un petit jouet de papier et c'est un erreur pour leader nous qui travaille chaque jour pour pas ta prison malheureusement sous question et maladie COVID là, et sous nécessité pour respecter les distanciations sociales il y a pile monde qui en ligne oui pour inscrire là on pose question sur qui faut montrer mandat yo dit à retourner donc à cause de distanciation sociale nous même là nous t'ai réfléchi pour nous organiser congrès nous t'ai dit n'a regardé si nous capable faire lire jusqu'à 500 leaders représentant des haïtiens sur les 5 continents maintenant à cause de continuité maladie et de peur de empile monde nous dit faut nous arriver mettez entre 250 et 300 leaders et nous prend un hôtel avec une salle côté que distanciation de 2 mètres entre chaque monde capable respecter donc les conditions et sociales et sanitaires réfléchis en pile dans organisation congrès maintenant les conditions pour monde qui participer dans congrès sous groupe congrès que nous avons partagé dans la conférence là avec nous sur web et site web et congrès et inscription doit être faite en direct et en ligne et inscription
Congrès, tout le monde qui rentre dans le congrès a dormi dans la même place là et a mangé dans la même place là pendant 3 à 4 jours au congrès. Donc, à l'inscription, chaque monde a payé $350 américains. Et chaque délégué qui a venu dans le congrès doit gagner un billet d'avion aller-retour dans quelque soit à côté à sortir pour venir Orlando et pour quitter Orlando, États-Unis. Moi-même, je suis à Haïti. Il y a 10 personnes qui sont à Haïti dans tout le monde. Pas plus. Et les gens ne sont pas ni dans le parti politique force peuple. Ils ne sont pas sortis dans aucun amitié. C'est des gens qui sont dans des organisations qui en Haïti et qui militent également très activement dans la diaspora. Ou moun tan kou madame Carole de Mesnin. Ki se moun Léogane qu'on connaît, etc. Et même genre, il y a des leaders dans la communauté protestante, il y a des leaders dans la communauté catholique, il y a des leaders dans la communauté vaudou qui exprimaient volonté pour un bagage qu'on s'est fait, faut que yo ta là. Donc au total, bon dizaine de moun comme ça et quelques représentants de médias qui en Haïti, qui capable probablement joindre et faut que même y ait un visa parce que Congrès a pas bien temps pour demander visa pour personne. Alors pour nous mêmes qui en Europe, un Haïtien qui résidait, qui a carte de résidence li, en France ou dans n'importe quel pays d'Europe, il n'y a pas de problème pour avec carte de résidence li et avec passeport haïtien li, aller dans n'importe succursale ou consulat et des États-Unis d'Amérique pour solliciter Lyon et visa pour l'entrée dans le congrès. Et s'il a besoin que le congrès envoie une lettre d'invitation by organisation qui peut le représenter, faut le faire ça depuis semaine ça, depuis samedi, faut nous commencer à aligner des demandes ça. Mais normalement, un haïtien qui réside à Paris, qui réside en France, il n'est pas censé avoir un problème pour demander un visa et d'ailleurs c'est une période de vacances. S'il besoin voyager vers Haïti en passant par les États-Unis ou bien s'il besoin de faire vacances aux États-Unis, à la famille aux États-Unis. Donc, il faut que nous allions faire demande visa le plus rapidement que possible. Parce que l'or a privé en été, consulat aux États-Unis capable de prendre jusqu'à 8 jours entre le moment qu'on fait demande là et le moment qu'on remet au passeport. Et comme le congrès a commencé le 15 juillet, bon, pour nous pas fin faire toute démarche nous et puis ensuite pour nous pas voyager. Maintenant, Haïtien qui a un passeport français, il n'y a pas même besoin de faire demande de visa. Haïtien qui a un passeport français dans le menu, il prend le sous-site et immigration américaine et l'a demandé un ESTA. ESTA. ESTA sont formes de visa que les Américains avec les Européens entendent sous lui, qui c'est un feuille, on va payer 50 ou 75 euros. Au maximum. Et il y a voyé et réponse là-bas où en moins de 24 heures. Ou a imprimé fiche ça qui c'est ESTA qui gagne numéro information qui s'est cap servi où pour rentrer sous terre. Autrefois on était voyager aux États-Unis sans rien du tout. Quand il y a américain yo, européen au moins de payer visa pour américain rentrer en Europe, et américain au mettait une carte ESTA que haïtien ou bien européen avec et passeport gagnant maintenant capable d'utiliser. Mais ça sont bagaille qui automatique tout et rapidement fait. OK, donc pas tant censé gagne problème pour les leaders parce que tout leader haïtien qui milite activement en France, yo tout yo résidé ou bien yo détenteur d'une double nationalité. Donc nous pas tant censé gagne des problèmes de visa, mais comme là nous pratiquement à un mois de et bah là, nous avons suffisamment de temps devant nous. Pour nous être capables de préparer. Ouais. Donc, je fais conférence à samedi et après-midi à 2h en Haïti, et qui correspond à 2h à New York, et qui correspond à 11h à Los Angeles pour les Haïtiens qui sont sur la côte ouest, et la correspond à 8h du soir et à Paris. C'est de façon à ce que pour les Haïtiens qui en Europe sont capables de participer. Et sans pas perturber sommeil. Et c'est penser à nous dans les moindres étapes de l'organisation pour dire à l'équipe qui travaille en pile, New York et Florida sous congrès pour l'Europe par aider. Même genre pour les Haïtiens qui sont en Amérique du Sud
et même si c'est un délégué, même si c'est trois délégués, même si c'est cinq délégués, eh bien, pour vous représenter. Les Haïtiens qui sont en République Dominicaine, qui Bahamas et qui dans les îles Turks and Caïcos, tout le monde a touché et a délégué des leaders pour représenter. Donc, ce n'est pas l'Europe qui est le centre de civilisation, ce n'est pas l'Europe qui a un pile haïtien qui cultivé, un pile haïtien qui qualifié, et puis vous êtes là pour nous gagner une faible représentation. Donc, dans ce sens-là, m'a parlé, m'a retourné, appel là encore une fois by Edwin d'Haïti et différents groupes associatifs et différents leaders associatifs qui habitués, impliqués dans le travail pour est-ce que nous avons fait diaspora haïtienne une vraie force. Site web là pour de façon à ce que nous avons accédé directement dans le site web et congrès. Et c'est pour nous lier. C'est travail nous. Moi-même, moi aussi au service. Nous, donc, le congrès a fini. Nous avons rentré la caille nous, nous avons rentré la caille pas Haïti. Bon. Nous parlons beaucoup. Nous disons un grand merci d'être participé avec nous. C'est que samedi, nous allons parler beaucoup plus sur la question du congrès. Envoyez tout de suite Baoula et l'invitation. Et là, on a aussi une possibilité pour que nous fassions l'invitation à circuler. Et au cours de l'émission ou bien pendant le week-end non? Et de façon à ce que tout le monde qui est capable et bah alors malheureusement ils mettent en américain parce que réservation espace là et espace et conférence zoom conférence ça capable de recevoir jusqu'à 250 participants. Voilà, nous connaît que de temps en temps vous capable là avec nous, vous connaît que Radio Passion Culturelle et émission Porte-Voix, c'est pas que lié. Et li pas l'autre yo, mais comme c'est au même que nous capable joindre puis souvent et ben nous disons un grand merci d'être côté qui a participé avec nous et puis à samedi. OK. Merci en pile, salutations à nous tous. Bon, en début, nous connaissons beaucoup arrivé dans la fin de semaine, mais et Kembe ferme, et puis à samedi, et puis moi-même, ma parole voyait à côté de Baou, et invitation. En tout cas, et saluer et toutes les amis pour nous, ça ne va pas être en cité, non, et mais que tout dans le cœur. Kembe ferme, et puis à bientôt. À bientôt. Merci à beaucoup. Bye-bye. Eh bien, tout le monde, merci qui t'a écouté l'émission Porte-Voix d'Haïti. Nous disons à la semaine prochaine. Mais nous connaissons que et comment pays a été. Faut dire que nous finissons par parler. Qu'on y a un apton pour ça qu'a fait là, pour le fait, pour monsieur, comme toujours dit, et mes vacances là, vivez là. Eh bien, en fait, le monde, c'est malade que je t'appelle fait pour être capable de descendre la caille. Même si nous connaissons que les maladies, hein, toujours fais attention avec les maladies, hein, c'est que est toujours là. Alors tout le monde n'a pas le fait valise. Mais là, dès que vous parlez avec le monde, eh bien, n'abandonne monsieur, eh bien, comme sinon, ferait mieux, ce mieux, c'est que non, nous t'aimons. Al passer un petit moment en Haïti et gen moun ki gen activité k'ap aide moun en Haïti et ben yo ta remè aller mais là gen pile l'autre moun ti moun k'ap souffri tout moun ap souffri en Haïti parce que et lè que moun nan li descend en Haïti c'est que moun nan même s'il te descend avec 1000 dollars mais quand même li dépense l'an pays ya et ben fait mieux se mieux moi dis non c'est bon. C'est que on nous mettait tête nous ensemble. C'est frère nouillé, c'est soeur nouillé, c'est même maman qui va nous têter. Pour qui ça, tout ça. Et bien, pas tellement long. Nous disons un grand merci avec tout le monde qui t'a écouté nous sur Radio Passion Culturelle, émission Porte-Voix d'Haïti. À la semaine prochaine. Moi, salut. No way for me to go manger.